Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée au sommaire de l'actualité. Une importante délégation ministérielle conduite par le Premier ministre est en tournée à Arta. Également dans l'actualité de ce 22h, Israël réduit la zone de pêche de Gaza en représailles aux manifestations. Voilà pour les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Après sa tournée dans le district sud du pays, Ali Sabiye Diki, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, s'est rendu ce matin dans la région d'Arta. À la tête d'une importante délégation comprenant 5 membres du gouvernement, dont le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi, le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, le ministre de l'intérieur Hassan Omar Mohamed et le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis et le ministre de la santé Dr Jamaa El Mouki. Et aussitôt après, le premier ministre et sa délégation ont eu une première rencontre avec les notables des différentes localités, autrement dit Damel Djog, Arta, Wea, PK51 et Karta. Une foule en liesse a accueilli le Premier ministre à son arrivée dans la région d'Arta. Un dialogue constructif et franc a passé en revue toutes les questions relatives à la vie courante, à savoir le problème de l'eau, des problèmes liés à la sécheresse, l'emploi des jeunes, la situation des postes de santé ont été également abordés au cours de cette rencontre avec le notable de la région d'Arta. L'objectif de la tournée étant de faire une évaluation des services déconcentrés de l'État, la politique du président qui est de rapprocher les administrations et les services de l'État dans les régions de l'intérieur, qui se concrétise avec la mise en place en 2016 d'un ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur. 2 ans après la mise en place de ce ministère de la décentralisation dirigé par Hamadou Mohamed Aramis, l'objectif donc est de mettre en place tous les participants au courant de la réalisation de ce ministère et de débattre des différentes difficultés rencontrées afin d'y remédier pour accélérer le processus du développement des services publics dans les régions de l'Intérieur. Après donc la préfecture, la délégation gouvernementale s'est rendue au siège du conseil régional où la délégation a rencontré les élus locaux des différentes localités de la région d'Arta. Eh bien, au cours de cette rencontre avec les élus locaux de la région qui s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques du gouvernement avec les populations des différentes régions du pays, les élus ont passé également en revue avec les membres du gouvernement toutes les questions concernant les services déconcentrés. Ainsi ont été discutées les questions liées donc à la problématique de l'eau, les effets de la sécheresse également, la situation du cheptel, l'emploi, les communications, la sécurité et la délivrance des pièces d'identité qui a été abordée par les élus locaux. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont répondu à toutes les préoccupations des élus locaux tout en prenant bonne note des actions à entreprendre en priorité à court et à moyen terme.
Écoutons donc cette réaction d'un membre du gouvernement lors de cette tournée du Premier ministre. La visite du Premier ministre concernant la décentralisation et le renforcement des capacités et consolider les services déconcentrés de l'État. Donc nous avons eu une approche fructueuse. Nous avions débattu avec tous les services déconcentrés de la région d'Arta, mais aussi des OCAL de la région d'Arta. Et nous pouvons nous féliciter à cette sortie de ce grand meeting. Et donc, Arta, c'est vrai, est une jeune région. C'est la dernière région qui a été née il y a plusieurs années. Mais nous allons, Inch'Allah, renforcer tous les services déconcentrés et... selon le souhait du président de la République, Al-Hajj Ismaïla Merguele, et nous allons consolider tous les services et cette décentralisation qui nécessite d'abord, je veux dire, qu'elle prenne pied, qui nécessite qu'elle s'installe dans toutes les régions du pays, et nous allons faire en sorte que, à Arta aussi, que les conseils régionaux prennent ses fonctions comme il faut, et à l'instar des autres régions, et que tous les services soient exécutés sur l'hiérarchie du Conseil régional. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jama El Meouki, a convié jeudi l'ensemble des personnels de santé en position de retraite en témoignage de gratitude et de reconnaissance des services rendus au département de la santé. En effet, le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour rendre un hommage solennel aux 76 personnels de santé, toutes fonctions confondues, qui figurent dans la liste des retraités émise par décision présidentielle en date du début du mois d'octobre. Au cours de la rencontre, le ministre a rappelé que le département de la santé sera constamment à leur côté, tout en soulignant l'importance des liens entretenus au sein de la famille de la santé, qui est soudé et dont ils feront toujours partie. Les nouveaux retraités ont vivement remercié le ministre pour cette profonde marque d'estime, ainsi que tous les honneurs qui leur sont dévolus au sein de cette institution. Par la suite, le ministre a convié tous les retraités du ministère de la Santé à une réception de déjeuner offerte en leur honneur au Sheraton Hotel. Une cérémonie tout à la fois émouvante et festive qui s'est clôturée par la remise d'attestation à chacun des nouveaux retraités délivrés en signe de reconnaissance pour les services rendus durant leur carrière au ministère de la Santé. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, a pris part aux travaux de la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD, qui s'est tenue pour la première fois à Tokyo du 6 au 7 octobre 2018. La réunion ministérielle a été présidée par M. Taro Kono, ministre japonais des Affaires étrangères, qui a encouragé l'investissement des entreprises japonaises en Afrique. Des représentants des 54 pays africains ainsi que les co-organisateurs de la TICAD, des pays partenaires du développement et des pays asiatiques, des organisations internationales et régionales et la société civile ont participé à cette réunion ministérielle qui s'est tenue à Tokyo. Les étudiants de l'université de Djibouti affluent depuis le début de la rentrée universitaire au campus de Balbala pour s'inscrire à l'assurance maladie. Ils bénéficient ainsi d'une couverture médicale complète et qui leur permettra de bénéficier d'une prise en charge totale en ce qui concerne les soins médicaux. Pour ce faire, les étudiants doivent s'immatriculer et ce, en cotisant une somme forfaitaire de 2000 francs djibouti pour une prise en charge totale durant toute l'année universitaire. Dans ce cadre, une équipe mobile chargée a pris ses quartiers au sein de la nouvelle antenne médicale de la CNSS au sein du campus universitaire de Balbala. Cette nouvelle antenne illustre la politique du CNSS Hassan Robobsié, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de se soigner sur place sans se déplacer vers des structures médicaux.
Samedi, dans la matinée, une délégation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'est déplacée à Holho, dans la localité de la région d'Ali Sabié. Cette délégation composée de plusieurs hauts responsables de jeunesse et sport, en l'occurrence l'inspecteur général Moussa Ali, le directeur de l'Institut national de formation sportive Saïd Ali, le directeur de région Omar Hassan et son adjoint, en compagnie du commandant des forces armées italiennes à Djibouti, s'est rendu dans cette localité du sud du pays, et ce dans le cadre de l'inauguration d'un centre de développement communautaire entièrement rénové grâce aux soins de la coopération italienne. L'inauguration couronnée par des manifestations culturelles a réuni sur place, outre des parlementaires de la région, le président du conseil régional, une foule compacte d'anonymes, les locales de la région et plusieurs jeunes, toujours confondus dans une longue allocution prononcée à l'occasion. Le député de la région a mis l'action sur l'importance significative que revêt cette inauguration du CDC réhabilité de la région de Holhol. Le député a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa politique éclairée en faveur du développement de la jeunesse et la promotion du sport, et a félicité les efforts du ministère. Il a également vivement remercié la coopération italienne pour son appui à la rénovation de cette structure destinée à promouvoir le développement de la jeunesse. Et pour toutes les autres autorités civiles et militaires qui sont présents aujourd'hui, et à toute la population d'Holhol, et spécialement pour les jeunes. Et c'est le significat, c'est une donation du peuple italien à la jeunesse de Holhol dans le plus vide cadre de coopération entre l'Italie et la République de Djibouti. De son côté, le directeur de l'Institut national de formation sportive s'est réjoui de la politique de promotion prônée par le chef de l'État. Il s'est dit heureux de cet événement dont la portée réside dans sa contribution au développement de la jeunesse de la localité de Holhol. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Heureux d'être parmi vous à cette occasion, à la cérémonie d'inauguration officielle des travaux de réhabilitation du CDC de Holhol par les forces italiennes à Djibouti. Qu'ils en soient remerciés. En livrant cette structure réhabilitée et bien équipée, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport utilise son ambitieux programme de développement des centres de développement communautaire au service des populations urbaines ainsi que des localités. Une politique prônée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, une politique attentive aux besoins de tous, visant à favoriser et consolider les liens sociaux, culturels, associatifs entre la population à travers tous les quartiers, avec tous les habitants et toutes les générations confondues. Ensemble, la culture du bien vivre ensemble en parfaite harmonie et dans la cohésion sociale. Les forces italiennes à Djibouti ont assuré entièrement le financement et la réhabilitation du CDC, y compris l'installation des matériels bureautiques informatiques. Au nom du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, nous tenons à saluer la qualité de leur travail et aussi leur générosité et leur dévouement. Nous formons le vœu que d'autres structures identiques puissent profiter de cette précieuse coopération avec les forces. PK12, dans les années 90, on n'y comptait que quelques maisons. 20 ans après, les transformations sont profondes. En plus des infrastructures de base, l'économie est fortement développée en peu de temps dans ce quartier. Cette transformation est déclenchée grâce aux échanges commerciaux avec les camionneurs éthiopiens. PK12, quartier commercial à part entière, c'est le dossier de ce 22h. Je vous propose de le suivre. Le quartier de PK12 est aujourd'hui le plus vaste et le plus peuplé de la commune de Balbala. Au début de l'installation de PK12, ne disposait ni d'eau, ni d'électricité, mais avec le temps, le gouvernement a beaucoup investi pour faire ce quartier ce qu'il est aujourd'hui. En effet, actuellement, PK12 connaît toutes sortes d'activités commerciales. Plus besoin à la population se déplacer vers le centre-ville pour faire leurs achats.
On y trouve des magasins, des vêtements, des électroniques, des quincailleries ou les magasins d'alimentation générale. Les commerçants sont satisfaits du prix de loyer des locaux commerciaux qui se trouvent moins chers que le centre-ville, comme le confirment certains commerçants de la place. Il y a énormément de commerces à PK12. Le prix de vente est beaucoup plus bas et la location du lieu de vente sont beaucoup moins chères que la centre-ville. Et on profite de cette opportunité. Non seulement nous avons comme clients les habitants de PK12, des gens se déplacent de la ville et les chauffeurs de camions éthiopiens aussi. J'ai fait appel à tous les Djiboutiens de venir en masse retrouver les produits que vous cherchez à prix bas à PK12. Je me suis acheté une chemise et un pantalon. J'ai remarqué que tu peux trouver le même produit à PK12, mais à prix bas. Il y a toutes sortes de produits à PK12. Les commerçants de PK12 accueillent non seulement des clients de quartier, mais aussi les camionneurs éthiopiens sont leurs clients fidèles. Ces derniers effectuent le plus souvent l'achat des produits d'alimentation générale en grande quantité, notamment des cartons de pâtes, les bidons d'huile, de lait en poudre. Les vêtements et les appareils électroniques sont aussi les plus sollicités. Étant donné que les prix des produits sont beaucoup moins chers, que certains clients viennent également des autres quartiers pour profiter de cette opportunité. Dans leur réaction, les acheteurs affirment qu'ils sont satisfaits du prix d'achat à PK12. Toutes ces activités commerciales qui se développent autour de PK12 ont un impact sur la vie de ses habitants, améliorant leur quotidien. Telles activités commerciales jouent un rôle très important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Sport pour clore l'actualité nationale. Yuri Horn of Africa et la Fédération Djiboutienne de cyclisme ont organisé une course à vélo intitulée Pédalant pour la paix et la coexistence pacifique des peuples. C'était hier après-midi à 16h. Et ce, en présence du coordinateur de Yuri Horn of Africa, Mahmoud Ahmed, le vice-président de la Fédération Djiboutienne de cyclisme, est également présent, ainsi que le directeur du sport du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Les participants se sont présentés de différentes associations de cyclisme, dont l'association de Gobad, de la garde républicaine, la FFDJ et l'aide de l'aéroport international de Djibouti, et des individus ont passé un coup de pédale sous la sécurité de la police sécuritaire, et sans oublier la présence des SMUR sur place. Les vainqueurs ont été remportés. Les 5 premiers ont été issus de l'équipe de la garde républicaine, la GR. On a travaillé avec l'ONG Ourou, qui œuvre depuis très longtemps dans la promotion de la paix. Donc un grand bravo aussi pour cette ONG. Un ensemble d'actions que l'ONG a tendance à organiser, ça s'ajoute aussi d'autres actions que certaines associations l'organisent depuis presque 2 ans, dans une réflexion globale qui est la promotion de la paix. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec les Brésiliens qui sont aux urnes pour une présidentielle marquée par l'émergence de l'extrême droite. En effet, Ali, les bureaux de vote qui ont ouvert aujourd'hui au Brésil, donc pour le premier tour de la présidentielle, est très polarisé, dont le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est le grand favori. Les 147 millions d'électeurs sont aussi appelés à renouveler les gouverneurs et les assemblées des 27 États, les 513 députés et les 2/3 des 81 sénateurs lors de ces élections, dont les résultats devraient être annoncés en fin de soirée. Bolsonaro a accru ces dernières semaines en avance dans les intentions de vote de son principal rival, Fernando Haddad, candidat du Parti des Travailleurs en remplacement de l'ancien président Lula da Silva, inéligible. Selon un sondage diffusé hier soir, le candidat d'extrême droite est crédité de 36% des intentions de vote pour le premier tour, soit un gain de 4 points par rapport au précédent sondage de l'Institut et Fernando Haddad de 22%, soit une perte d'un point.
Et concernant le séisme en Indonésie, Fardous, le bilan des disparus est lourd, on y estime à 5000 personnes. En effet, Ali, le bilan du séisme suivi du tsunami qui a ravagé l'île indonésienne de Ceylan risque d'être bien plus lourd qu'envisagé. Jusqu'alors, environ 5000 personnes sont présumées disparues dans l'agglomération de Palu, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Les secours ont retrouvé 1763 corps depuis la catastrophe du 28 septembre et qui a rasé les quartiers entiers donc de ces localités de Palu, de 350 000 habitants sur la côte occidentale de l'île de Ceylan. Dans la foulée du désastre, des pilleurs avaient dévalisé des magasins, l'eau, la nourriture se faisant rare et les convois d'aide humanitaire tardent à venir. Ces derniers jours de l'aide humanitaire a toutefois commencé à affluer. Plus de 82 000 soldats et civils, de même que des volontaires, sont déployés sur le terrain. Des hélicoptères ravitaillent les lieux les plus reculés qui ont été plus coupés du monde par ce désastre. La Croix-Rouge indonésienne a ouvert des hangars et s'est déployée à travers la région pour distribuer cette aide. Et concernant la péninsule coréenne, Pompeo, le secrétaire d'État américain à Séoul, après avoir donc rencontré Kim Jong-un à Pyongyang. Eh bien, Ali, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a eu aujourd'hui un entretien de 2 heures à Pyongyang avec le numéro 1, Kim Jong-un, et a déclaré à la suite que les deux parties avaient progressé vers l'objectif d'une dénucléarisation de la Corée du Nord. Cette brève visite de la quatrième de Mike Pompeo cette année en Corée du Nord était prévue initialement fin août, mais elle avait été annulée à la dernière minute par Donald Trump à cause, selon lui, d'une absence d'avancée dans le dialogue. Pompeo a estimé que la Corée du Nord et les États-Unis continuaient de progresser vers la mise en œuvre de l'accord trouvé lors du sommet du 12 juin à Singapour qui a réuni Donald Trump, Kim Jong-un et donc avait lors d'un terme vague accepté le principe de dénucléarisation. À Séoul, Mike Pompeo devrait rencontrer également donc le président Moon Jae-in avant d'avoir un entretien avec le chef de la diplomatie sud-coréenne. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.